panier d'osier de la salle des ventes. Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était là, figée, superbe et déchirante. Ses mains qui se nouaient, se dénouaient tremblant. Des mains belles encore, déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme tous les matins dans la salle des ventes, bourdonnait une foule fiévreuse et impatiente. Ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses nous parlent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes. Une fois, puis deux fois, alors, dans le silence, elle cria, je prends, je rachète tout ça, ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était déjà trop tard, dans la salle des ventes, le marteau retomba sur sa voix suppliante. Elle vit s'en aller parmi quelques brocantes, le dernier souvenir de ses amours d'antan. Près des paniers d'osier, dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé. 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 Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié. Une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. La garde, elle sortit de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé. Regarde, elle sortit de la salle des ventes. Ben, je l'ai vue s'éloigner courbée et déchirante. De ses amours d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir aujourd'hui.